Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que ça marche bien, que tout est OK. Merci de me confirmer. C'est parti pour tout de suite pour la matinale. Avertissement de rigueur comme d'habitude sur les futurs CFD, ceci n'est pas un conseil, recommandation d'achat ou de vente. Bien évidemment, chacun est responsable. Et le trading, ne l'oubliez jamais, est une merveilleuse école de la responsabilité. Chaque fois que j'en entends qui ronchonnent et qui se plaignent, généralement, ce ne sont pas des traders gagnants. Il n'y a aucun. Voilà. Le trading est une école de la responsabilité, incontestablement. On apprend à être responsable de ses actes et ce n'est jamais le marché qui est méchant avec nous, ce n'est jamais les autres, ce n'est jamais je ne sais pas qui. Quand on commet une erreur, on la commet nous et ça, c'est une excellente éducation. Merci à tous. Toutes et tous, excellent. Alors, je vous rappelle, 2 secondes, je vous rappelle ce soir, le webinaire timé précisément entrée, chandelier, etc. Bon, c'est un webinaire d'introduction au chandelier japonais ou de rappel au chandelier japonais, mais il y aura quand même un certain nombre de règles pour ceux qui ne sont pas des habitués des chandeliers japonais. Donc, c'est ce soir à 18h, ben, si ça vous intéresse, vous vous inscrivez sur le site de WH Self-Invest, bien évidemment. Allez! Content de vous retrouver. Ok, a priori, il y en a qui reviennent. Ok, bonjour à toutes et tous. Allez, je pense qu'on est bon, on peut y aller. Alors, je vous rappelle l'essentiel. On est vraiment sur une semaine plus que très particulière. On est sur une semaine avec deux événements majeurs. Le premier qui va commencer demain, puis ensuite on aura jeudi. Événement majeur, c'est bien évidemment la Réserve fédérale. Demain, jeudi, la BCE, mais aussi une semaine plus que chargée en résultats d'entreprise et en statistiques. Donc, on est aujourd'hui, il y a l'IFO en Allemagne, etc. Mais c'est vrai qu'au vu de toute l'actualité, au vu de toute l'actualité, ce n'est pas l'IFO qui risque de faire trop bouger les marchés, même s'il y a des inquiétudes très claires sur l'économie, notamment en Europe. Ensuite, ça recommence à murmurer, bruisser, rumorer, je ne sais pas comment dire, sur des interventions chinoises, parce que vraiment, l'économie chinoise est à la traîne. Et donc, ceci est très important si l'on fait des actions ou si l'on fait des indices en fonction de comment sont coloriés, si je puis dire, les indices. Alors, on a déjà eu, notamment en Europe et notamment sur le CAC, Dassault Systèmes qui a publié, on va avoir Alstom, on va avoir Edenred, on va avoir Essilor et surtout, big, 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 on va avoir ce soir, après clôture, LVMH. Après, il y a beaucoup de valeurs aussi qui vont publier aujourd'hui des mid and small, je vais y arriver, des mid and small. Bref, ça publie beaucoup, donc beaucoup de résultats, actualités économiques, et puis après, vraiment, ces actualités phares sur les taux. Bref, du coup, ça fait quoi? Est-ce que ça fait des marchés qui bougent beaucoup? Non, ça fait des marchés qui restent haussiers, ça fait des marchés qui respectent vraiment GTAS. Hein. Très clairement, hier, je vous indiquais que sur le CAC, tant qu'on ne repasserait pas sous le BSI Line, ça serait aussi, c'est exactement ce qui s'est produit. On le voit ici, on a à l'écran le CAC, c'est vraiment le BSI Line qui a servi d'appui, de support, de dynamique à la reprise haussière. Bref, ça tient, mais le plus important, lorsqu'on fait une analyse de marché, c'est pas juste de repérer est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier. Je ne sais pas comment vous faites vos analyses de marché. Ce qui est important, c'est de quantifier, de qualifier la tendance et de repérer quel est le niveau de volatilité. Car c'est le niveau de volatilité qui va nous permettre d'inscrire des stratégies plus ou moins efficaces. Typiquement, si on est sur des marchés à faible volatilité, qu'on essaye de choper de l'accélération, bah, évidemment, la proba que ça marche, elle est très faible.
Si on est sur des marchés très trendy, donc en tendance, et qu'on essaye de se mettre en contre, la proba que l'on pleurniche le soir et que l'on dise le marché est méchant avec moi est aussi une probabilité très forte. Deux exemples très grossiers, mais pourtant deux exemples très caractéristiques d'une mauvaise analyse, non pas une analyse pour savoir c'est quoi la couleur ou c'est quoi je ne sais quoi, d'une analyse de mauvaise quantification de la tendance et de mauvaise analyse de la volatilité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là, ce petit cours sur comment est-ce qu'on fait une analyse matinale? Là, je suis sur un mode théorique, mais moi, je vous le fais en fait tous les jours. Je vous le fais en vous disant, on va travailler ce type de trade, on va faire ça, on va choisir un sens, etc. OK. Donc, pour le moment, c'est haussier. Pour le moment, c'est haussier, bien évidemment. Tout est vert, mais on reste haussier relativement calme. Alors attention, je dis bien, si on se reporte dans le passé assez récent, bonjour à ce qui arrive, si on se reporte dans un passé assez récent, on va constater que à chaque fois qu'il y a eu des rumeurs chinoises, les marchés ont réalisé les plus belles journées. Donc c'est vraiment à surveiller. Plus belle journée à la hausse, bien évidemment, c'est à surveiller. Autrement dit, si un directionnel venait à se mettre en place, si un directionnel venait à se mettre en place, ça pourrait booster le marché. Bon. Ça, c'est le premier élément. Mais à ce stade, l'idée, c'est de dire, la tendance est haussière. Je ne compte pas me mettre contre le trend. Pourquoi est-ce que je ne compte pas me mettre contre le trend alors que la tendance est pas affirmé que je pourrais vous dire ce type de raisonnement, je pourrais vous dire ça sans aucun problème. Je pourrais vous dire on est sur un range d'une cinquantaine de points depuis 2-3 jours. Donc, on est vraiment dans une zone de faible volatilité. Donc, dans une faible volatilité, en temps normal, je vais vendre les résistances et je vais acheter les supports. C'est ainsi que l'on raisonne en temps normal. Mais on doit toujours installer, inscrire nos analyses, non pas dans une analyse théorique sortie d'un livre, mais dans une analyse portée par le réel. Et le réel est, on avait une zone de résistance sur le CAC 7405, 7410. Cette zone a été franchie. Alors, elle a été refranchie par le bas, mais repassée au-dessus. Je considère que tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, la possibilité ou la probabilité que l'on pousse, que l'on aille plus loin sur des niveaux beaucoup plus haussiers et plus fortes que celles que ça bloque sur résistance. Autrement dit, j'assume mon biais. Alors, je reste relativement neutre sur un mode scalping pour être clair, mais j'assume un biais. Au-dessus des 7405, je suis haussier et mon trade principal sera plutôt en cas de test du support, en cas de test des bas d'hier, zone 7390, 7385, c'est pour moi une grosse zone à l'achat. En cas de test des 7440, peut-être que ça va bloquer, peut-être que ça va bloquer, c'est possible. Est-ce que je chercherai à vendre à cette zone? Non. Parce que déjà, pour ceux qui travaillent avec GTAS, on a un double croisement et la règle de base extrêmement simple est de ne jamais s'opposer au double croisement car les probabilités ne sont pas en notre faveur. Et en tant que trader, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse et c'est est-ce que les probabilités sont en ma faveur ou pas? Si elles n'y sont pas, ça ne m'intéresse pas. Salut à ceux qui arrivent. Est-ce que c'est bon? Donc, un petit biais haussier pour la journée au-dessus de 7405, une zone d'achat 7385. Je ne dis pas une zone d'achat sur niveau les yeux fermés, mais c'est une zone d'achat et j'assume
malgré le fait que probablement on soit dans un long trading range d'attente, de ne pas vendre la zone 7440. Voilà. Et je serais plutôt même à surveiller un break de cette zone et un achat sur pullback après la cassure. Bonjour à ceux qui arrivent. Voilà pour le CAC. Si je vais sur le DAX, alors sur le DAX, on va voir quoi? Sur le DAX, on va voir que l'on surveille depuis maintenant plusieurs journées cette configuration typée triangle, que pour le moment ce triangle tient, que je vous indiquais hier que on pouvait s'énerver, s'exciter au milieu du triangle. Alors bien évidemment, sur les UT courtes, sur mode scalping, en M1, en M3 ou en day trading, en M5, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, je peux agir comme je veux, mais très clairement, je vois bien que la caractéristique du triangle, il ne faut pas avoir fait de très longues études pour voir qu'on est sur un pincement de la volatilité, donc sur une décroissance des points à gagner. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à travailler un marché qui me donne de moins en moins de points à gagner? Je vous invite à cette réflexion philosophique et à vous avez 3 heures. Donc, plutôt se préparer à une sortie éventuelle. Et effectivement, la cassure de la borne 16 210, 16 220 en clôture affirmée, ou de la borne basse 16 070, 16 080, nous offrira un train potentiel par simple report d'amplitude de 160 à 180 points. Donc là, il y a des choses intéressantes. Là, il y a des choses intéressantes. Voilà. Donc, je continue à dire, comme je le disais hier, prudence, patience. Au sein de ce triangle, le biais reste haussier, puisque mon BSI long terme reste clairement vert. Puisque j'ai une alternance de fond d'écran, le convergence et l'indicateur qui reste vert. Donc, déjà, la base, il n'y a aucune raison pour que je me mette en face le trend qui reste haussier. Maintenant, aller travailler dans cette zone de contraction de volatilité, de contraction de points, qui est une zone de fort balayage, ben, ça ne peut se faire que si on a un biais plutôt haussier parce que le fond reste vert et sur un mode scalping. Mais là aussi, le conseil, c'est vraiment, j'attends que ça sorte. Si ça sort bien, si ça sort propre, si j'ai du métier, je peux trader la sortie. Si j'ai moins de métier, j'attends le pullback. Règle simple, règle que tout le monde comprend et règle facile à surveiller, je pense. Enfin, hier, je vous parlais de cette zone, 16 140, 16 150, qui avait été un peu oubliée. Vous voyez l'intérêt toujours de ne jamais les enlever, puisque cette zone est redevenue à la mode, si je puis dire, puisque. Je ne peux pas élargir. Puisque. Voilà. Est-ce que tu regardes le volume du cassure d'une résistance support? Comment acheter est-ce qu'il ne s'agit pas d'une fausse cassure? Deux excellentes questions. Merci pour ces excellentes questions. Alors, est-ce que je regarde le volume lors d'une cassure de résistance support? Oui, c'est un des moments où le volume m'intéresse le plus. Donc, la réponse est affirmative, yes. Comment un GTS te garantit qu'il ne s'agit pas d'une fausse cassure? GTS ne garantit jamais rien. En trading, il n'y a jamais rien de garanti. Petit rappel, en trading, ma seule garantie est l'assurance de bien gérer ma perte, l'assurance de bien maîtriser ma perte, l'assurance de bien maîtriser le risque que j'engage sur le marché.
Là, j'ai une véritable assurance. Là, j'ai une véritable assurance. D'accord? Là, j'ai une véritable garantie. Oui. Après, l'objectif, ce n'est pas d'avoir une garantie, c'est de maximiser notre taux de réussite que l'on couplera avec le risk-reward. Donc, pour maximiser le taux de réussite, tout simplement, avec GTAS, je ne travaille les cassures que lorsque mes 3 BSI sont verts. Jean, voilà. Et ça augmente de manière assez sérieuse, sans garantie, mais ça augmente le taux de réussite des cassures. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Bernard, pourquoi ne prends-tu pas le point bas du 7 juillet pour la TLS du triangle, s'il te plaît, merci sur le DAX. Ok. Alors, j'ai une habitude lorsque je trace, lorsque je fais les tracés, je vous invite à faire les tracés. Je réfléchis parce que là, tu m'as posé une question qui me pose toujours problème dans ma réponse. Donc, lorsque je trace, ce n'est pas que je le fais instinctivement, mais je le fais avec du métier de, voilà, de quelques années à faire des tracés sur les graphiques. Si je réfléchis trop longtemps, en fait, il faut que ce soit le truc qui me saute aux yeux. Dans mes bouquins, j'ai souvent une expression que j'aime bien, qui est de ne pas écarquiller les yeux pour trouver les configurations. Avec les tracés, c'est un peu la même chose. Si j'écarquille les yeux, si j'écarquille les yeux, ça ne me va pas. Après, ayons tous, j'espère bien conscience, qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de tracé parfait. D'accord? Ok, voilà. Mais il s'avère que plus vous tracez, et là il n'y a aucun secret, plus vous allez le faire, plus vous allez vous exercer, plus vous allez trouver les bons tracés. Mais il faut que ce soit fait, il faut que ça vous saute aux yeux. Bertrand, est-ce que j'ai répondu? J'espère, voilà. Donc, le tracé qui m'a sauté aux yeux est celui-là, parce que c'est, si tu regardes, ça nous fait un très joli triangle symétrique. Alors que si je prends sur le bas du 17 que tu me proposes, ça me fait une pente bien différente. Tu ne te sers pas de moyenne pour le faire, non. Tu parles de moyenne mobile? Non, j'utilise pratiquement plus les moyennes mobiles. Voilà. Alors, je peux utiliser les moyennes mobiles pour de l'analyse, mais vous voyez que là, je ne vous les mets eux-mêmes pas. Donc, il n'y a pas un très grand intérêt à les utiliser, sinon avoir des traits. Voilà. Je comprends, c'est vrai, la pente n'est pas la même, du coup, j'ai tracé les deux. Voilà. Alors, après, lorsque j'ai des doutes, que j'en trace plusieurs, je garde, j'élimine, enfin bref, voilà. Mais c'est, j'insiste bien, on va dire, le chartisme, hein, le chartisme, il faut s'exercer, il faut tracer, il faut faire, voilà. Et donc, c'est lorsqu'on a bouffé des centaines et des milliers de tracés que l'on commence à savoir à peu près tracer. Il n'y a pas de règle, il faut faire comme ça, voilà. Ok François, ça marche. Non. De toute manière, je pense que celui-là, je vous l'ai tracé en live. Hein, je veux dire, vous voyez, donc c'est pas. Allez, si je prends l'Eurostock 50, l'Eurostock 50, je vous disais quoi? L'Eurostock 50, je vous parlais qu'il était coincé dans lui. On avait un CAC haussier, on avait un DAX dans un triangle et on avait un Eurostock 50 dans une configuration vraiment de trading range classique. Mais maintenant, si je regarde, il faut voir, voilà, est-ce que ça le fait?
Ce sont, dites-vous un truc, c'est toujours les prix qui nous racontent la vraie histoire. C'est pas, ce n'est jamais ce que l'on croit, nous. Nous ne sommes rien, nous sommes très peu. Voilà. Et celui-là en bas, je ne te le tracerai pas parce que pour moi, il est trop, il y a une pente trop forte. Voilà. Voilà. Donc là, je trace une TLR, une Trendline Résistance supplémentaire, parce que je considère que là, quand même, on a bloqué à quelques ticks près, donc elle est pas mal. Et donc, surveiller éventuellement un break de cette TLR ou un blocage de cette TLR, puisque sur l'Eurostock, on n'est pas du tout dans une dynamique comme on peut l'être sur le CAC. Voilà. Donc, surveiller. CAC. Pas grand chose à faire. DAX, on est en attente. Eurostock 50, très très peu. Mode patience totale en ce qui me concerne ce matin sur les marchés européens. Je pourrais vous énerver, hein, je pourrais vous dire vite, il faut trader, il faut cliquer, il faut scalper, il faut faire ça. Moi, je suis là pour vous dire ce que je fais moi. Je ne suis pas là pour vous envoyer. Donc. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Moi, je dis ce que je fais, moi. Voilà. Alors, là, on est sur quelque chose de très intéressant. Si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on avait un S&P 500, je ne dis pas de bêtises, le CFDA, toujours, évidemment, là, qui était inscrit dans un canal descendant. Je vous parlais du fait qu'on avait le convergence rouge, mais que je n'en tenais pas compte, car je, enfin, que je n'en tenais pas compte. Je considérais que pour le moment, on était dans une phase corrective, une phase de retracement, et selon la taille et la taille de la vague de retracement, ça peut passer rouge à un moment. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, vous voyez, c'est que la TLR, Trendline Résistance, je répète, a été et une fausse cassure et ensuite breakée. Jusque-là, on est pas mal. Attendez, je vais prendre. Bon, je vais prendre celui-là. Donc là, j'ai ma cassure. Vous le voyez, lorsque je dessine, bon, là, j'ai mon accélération. Et là, alors évidemment, si je le dessine comme je ne sais pas quoi, et là, plus joli pullback, plus joli pullback dans l'ancienne TLR, Trendline Résistance, qui devient TLS, Trendline Support, oblique descendante support, couplé, parce que n'oubliez pas, c'est pas, mais n'oubliez pas, validez-le uniquement si GTAS est vert. Et là, les trois GTS sont verts. Tu me demandais comment est-ce qu'on augmente les cassures ou comment est-ce qu'on augmente le résultat des trades, des stratégies. Tout simplement, tu ajoutes GTAS. Voilà. Alors après, plus on est expérimenté, je ne vous cache pas, moins on en a l'utilité. Hein, parce que si on sait bien lire, il n'y a aucun souci. Mais pour être expérimenté, il faut des années. Et souvent, hélas, il se passe quoi? Ben, ça veut dire que les traders s'essayent au trading, je sais pas, 3 mois, 3 ans, et ils abandonnent parce que ça ne marche pas. Et donc, ils n'ont jamais l'occasion d'acquérir cette expérience qui ferait que juste le mouvement des prix est suffisant pour bien comprendre ce qui se joue. Bref, là, donc, j'ai quoi? J'ai une inversion de polarité graphique classique et j'ai en plus mon nuage qui était rouge qui est devenu vert, mes trois indicateurs qui sont verts, le convergence qui est vert, autrement dit, magnifique occasion de rentrer à l'achat, non pas en M30, là on est dans l'UT que l'on analyse, ensuite on switch, on descend sur nos UT plus courtes. Sur nos UT de trading M5, M1, et là, on trouve les entrées. J'espère que vous comprenez tout ce que je raconte là.
Là, on est dans des choses très intéressantes. Et surtout, c'était vraiment, vous voyez, c'était pas le S&P 500, n'était pas l'indice qui donnait le plus, le signal le plus clair. Et pourtant, hier, je vous disais, attention, il reste haussier. Double bascule. Je vais me parler de Eurostoxx, je pense. Ok, ça marche. Alors, pour le moment, l'idée, elle est claire. C'est que tant que on ne revoit pas, voire, parce que des fois, il nous joue le coup, on pourrait avoir un deuxième pullback sur la TLS désormais. Attention, c'est une TLS oblique descendante. Bon. Mais il faut considérer, pour moi, S&P 500 haussier uniquement tant que les derniers bas ne. Bon, il faut que j'arrête de faire des dessins de ce type-là. Ça ressemble à rien. Voilà. Le jour où je saurai dessiner. On va dire que tant que les 4547 ne sont pas revus, pour moi, c'est haussier. Et à plus court terme, si vous utilisez GTAS, le bas du nuage, donc 51, 52, ne doit pas être revu. Takodak, voilà. Donc, haussier, alerte, sous ce niveau-là. Les objectifs, aucun haussier, aucun haussier, aucun objectif particulier, puisqu'on est dans de la dynamique. Ben, l'idée de base, ça serait effectivement de revenir sur les sommets sur les 78. Alors, si je prends le magnifique, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le magnifique? Parce qu'il est en train, je vais y arriver, de nous péter tous les records de série. 11e journée de hausse, si je ne m'abuse, si je sais compter. Avec une hausse très particulière, ça fait au moins 5-6 jours que je vous en parle, des mouvements très très spécifiques, avec on ne revoit jamais les bases. C'est vraiment très très spécifique. J'ai des objectifs haussiers sur les 33 900 depuis maintenant plusieurs journées. Tant que ça suit son cours, il n'y a aucune raison de se mettre en face. Maintenant, c'est vrai que la corde commence à être tendue. Alors, il faudrait idéalement que ça tape très vite ses objectifs haussiers. Faire plus de 400 points, hein, c'est franchement très peu pour le dos. Donc, ça fait 1,3%, hein, je veux dire, donc c'est fait assez rapidement. Ce n'est pas non plus juste colossal. Et ça permettrait et de réaliser l'objectif et peut-être de faire un joli climax. Bon, ça c'est moi qui suis dans les anticipations les plus totales. Mais en attendant, ça reste haussier. Tant qu'on ne refait pas des bas sur les bases précédentes, je veux dire, c'est. Voilà. Honnêtement, j'ai rarement vu ce type de vague, enfin, ce type de cycle. Construit de cette manière-là. Donc c'est pour ça que sur les marchés, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. Car la multiplicité des cas est vraiment assez formidable. Donc, toujours haussier, on va surveiller, je vais juste vous proposer un niveau de base très clair, qui est ce niveau-là. C'est-à-dire que tant qu'il va rester là, on va mettre un joli support de bien large. Voilà. Il faudrait que ça repasse sous les 35 200 points, sous les 35 200 points, pour commencer à considérer que c'est terminé. D'accord? Voilà. Attention, je dis bien très 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 tendu. Il ne s'agit pas pour moi de travailler le dos avec des stops à 300 points. Hein.
Le dos n'est travaillable qu'avec des stops courts, très courts. Mais haussier avec objectif sur 35 900 points, tant que les 35 200 ou 180 points ne sont pas revus, tout simplement. Aucun changement depuis maintenant plusieurs journées, donc il n'y a aucune raison pour que ça change. D'accord? Alors, le Nasdaq, on avait vu que c'est le Nasdaq qui était le plus baissier, le plus en mode correctif, mais hier, franchement, il a proposé rien. Il a proposé uniquement de la latéralisation sous résistance. Autrement dit, exceptionnellement, je suis baissier sur le Nasdaq. Tout plaide pour que le Nasdaq vienne à corriger, mais pour le moment, on est en attente. Là aussi, sauf erreur. Ce soir et cette semaine, il y a les bigs qui vont publier. Je crois que dès ce soir, il y a, dès ce soir, il y a Microsoft qui publie. Bref, ça va commencer à être sérieux. Donc, on est en attente d'eux. Merci Agathe, ça marche pour moi. OK. Mais vocation A, très clairement, je vous le disais hier, hein, et je ne change pas d'avis tant que les 15 775, 15 750 sont résistance. Je reste baissier, donc j'accepte quand même des rebonds significatifs sur le Nasdaq. Mais tant que le BSI long terme reste rouge, tant que le 15 750, le 50 775 reste résistance, je reste baissier. Suis-je clair? Exceptionnellement, notez-le bien. C'est pas, vous le savez, c'est pas courant que je sois baissier sur le Nasdaq. Alors, on va voir le gold. Alors, le gold est en train de nous proposer une vague de correction. Hier, je vous parlais qu'il y avait la possibilité de rentrer dans une large zone support ici. Effectivement, il a fait des plus bas, mais vous voyez comment c'est très intéressant de laisser même des niveaux qui sont intermédiaires, puisque ce sont ces niveaux intermédiaires, vous voyez, tracés à la volée à l'époque où je les avais tracés et qui, quelques jours plus tard, sont d'une pertinence totale. Voilà pourquoi je fais relativement confiance à mes tracés, à condition que les tracés soient faits de manière rapide, que ce ne soient pas des tracés où je réfléchis beaucoup et longtemps. Bon. Ça rebondit, on reste en phase corrective, ça pourrait redémarrer, mais on est plutôt, pour le moment et à ce stade, dans mes fameuses corrections ABC, XABC, qui peuvent être relativement longues, relativement complexes et qui sont plutôt qui ne peuvent et qui ne devraient être tradés que par les traders les plus expérimentés. Le pétrole, alors lui, s'est mis à redémarrer. Hier, sauf erreur, je vous parlais du fait qu'il y avait eu ici une jolie inversion de polarité, qu'après 2-3 jours, je vous disais, attention, on est sur un mode lessiveuse, un mode bruit, le marché n'est plus quoi, n'est plus cohérent. Le marché ne présente plus d'avantages clairs. Hier, je vous disais, tout est repassé vert. On est en train de. Et tant que le nuage servira de support, même s'il est traversé, même s'il est traversé, et ça, c'est vraiment un signal d'achat assez remarquable, puisque si je le trace de cette manière-là, on a à la fois un test de support et on a surtout un nuage qui reste vert et on a ensuite une validation ici. Bref, ça c'est un des plus beaux signaux que l'on peut trouver sur support, sur achat, avec évidemment le fond d'écran qui est vert. On maximise la probabilité de succès
Tout simplement. Là, c'est le gros avantage lorsqu'on travaille avec des indicateurs visuels et pas des indicateurs où il nous faut 3 heures avant de comprendre. On a les indicateurs visuels, on a les niveaux support-résistance, on a la réaction en chandelier japonais. Derrière, on peut se poser des questions, mais ça ne sert plus à rien de se poser des questions. De toute manière, en trading, lorsqu'on se pose des questions, mieux vaut s'arrêter. Alors, toujours la poursuite de la correction. Et je vous parlais de 1,1085 comme haussier court terme en intraday. Cette zone, on est venu la tutoyer là, on l'a traversée et ce matin, on est pile poil sur ce niveau. Donc là, je vous parlais depuis plusieurs jours haussier, mais phase, enfin haussier moyen terme toujours, mais phase corrective à venir sur l'euro-dollar. Nous y sommes et là, on touche vraiment un point cœur, un point clé. Bon, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. En plus, on y est venu avec une accélération brutale, une accélération forte qui est venue sur le fait que les indices, que les indicateurs d'activité en Europe étaient vraiment très mauvais. Ce qui calme évidemment potentiellement les ardeurs futures de la Banque centrale à augmenter les taux. Donc, ce qui calme logiquement les ardeurs des traders à se porter acquéreurs de l'euro contre le dollar. Vous voyez, tout ça est quand même d'une certaine logique. Bon. Donc maintenant, on est sur ce niveau, pile poil. Ben, voir ce qui va se passer. On est en train de tutoyer à l'instant le nuage. Alors, le fond est tout rouge. Hein. Donc, en intraday pur, évidemment, ça reste baissier. Mais comme l'UT supérieure reste haussière et qu'on est sur un niveau clé, ben, surveiller si le nuage, là, ne venait pas à céder. Si là, il y a eu un test blocage, là, il y a eu un test en fausse cassure, derrière, on a réintégré. Voir si on repassait au-dessus des 1,1085, ça retrouverait un peu de dynamique haussière potentielle. Voilà pour les analyses et nous en arrivons donc maintenant à l'action du jour. Alors, l'action du jour, on va aller sur les puces parce que c'est vraiment bien évidemment ce qui focalise l'attention de tout. Ce qui focalise l'attention de tous les investisseurs en ce moment.